pour faire un article. Alors, je vais me connecter au back office, donc j'appuie sur se connecter. L'email et le mot de passe. Je tombe dans le back office. Je vais choisir article. Voilà, je clique sur article, ajouter. Je rentre le titre de mon article, je rentre le chapeau est rentré. Je vais maintenant ajouter un bloc. Donc, je clique sur ajouter un bloc et je vais choisir parmi ces blocs celui qui m'intéresse le plus. Je vais prendre un bloc texte simple. Donc, un bloc texte simple. Je peux rentrer mon texte. Là, j'ai rentré mon texte. Je peux mettre en plein écran en cliquant sur l'icône plein écran. Je suis en plein écran. Je peux sélectionner mes titres, les mettre en gras, en couleur et les grossir. Voilà. Donc là, je vais prendre le deuxième titre en bleu. En gras, il est déjà en gras. Et titre 3. Je peux également ajouter une image, ajouter un média. Je prends un média de ma médiathèque ou je rajoute un média de mon PC en faisant télécharger des fichiers. Là, je vais prendre la carte. Insérer dans la publication. Ma carte est bien insérée ici. Dessous, j'ai bien mon texte. Je vais mettre une image en avant que je vais prendre de la médiathèque. Définir comme image mise en avant. Choisir une catégorie. Donc, je vais prendre la catégorie accueil. Je peux également modifier les paramètres de mon image. Donc, je vais prendre le crayon et faire modifier. Je modifie la taille. Là, je prends la taille originale. Je vais la centrer et je fais mettre à jour. Je vais publier mon article en appuyant sur publier. Je publie mon article. Je vais voir l'article ici. Donc je vais voir l'article ici et mettre à jour ici. Je fais voir mon article. J'ai bien mon titre, mon texte ici, mon chapeau, le texte que j'ai rentré et ma carte à la grandeur que j'ai choisie, centrée. Je peux modifier mon article en cliquant sur Modifier l'article. Je suis de retour dans le back-office pour modifier mon article. Donc là, je vais mettre le premier paragraphe en couleur. Voilà, en vert. Je fais à nouveau mettre à jour l'enregistrement de l'article. Je fais voir mon article. Donc mon texte est bien passé en vert. Je peux faire accueil. Voilà, je suis sur ma page d'accueil. Voilà comment créer un article.